Ιταλισμοί. Κοντά στο Μετσοτζόρνο ήρθε το λεωφορέτο. Αβάντι, είπα μέσα μου, και με ένα σάλτο ήμουνα τροβάτος στο γκρίζο μαρσπιέτο του. Εκεί είδα ένα τζόβενο σαν αρλεκίνο, λούγκος σαν κατσαβίδι, και πάνω στην τέστα του φορούσε ένα καπέλο με γαρνιτούρα μια τρέσα. Ξαφνικαμέντε, τα βάλε με το βιτσίνο του ένα σινιόρε ντελικάτο, όλο φινέτσα. Γιατί, λέει, του πατούσε τα ποδαρίνια του. Καπάτσος όμως, καθώς ήτανε, μόλις είδε ένα καθισματίνο λίμπερο, πήγε πρέστο να ριποζάρει τον κάβαλό του. Τόπο δύο ωρίνες, τον ξαναείδα τον κανάλια. Ήτανε στην πιάτσα σαν το Λάζαρο. Κομπανία με ένα μήκο του Τάλε Κουάλε, που του δίνε κονσίλιες για ένα μποτόνι στο παλτό του. Φινάλε. Μια μέρα, κυρίως το μεσημέρι, πάνω στο λεωφορείο της Γκαρμίσες, προσεξά έναν άνθρωπο με πολύ μακρύ λαιμό που φορούσε ένα μαλακό καπέλο. Στο καπέλο του είχε ένα πλεκτό κοντονί αντί για κορδελά. Ο άνθρωπος αυτός τα βάλε ξαφνικά με τον διπλανό του, κατηγορώντας τον πως επίτηδες του πατούσε τα πόδια κάθε φορά που επιβατές ανεβαίναν ή κατεβαίναν. «Γουέ και αλλή μόνο», εάν δεν εγκατέλειπε εν καιρός τη συζήτηση για να ρυθεί σε μια θέση πιο που άδειασε. Αργότερα τον ξαναείδα μπροστά στο σταθμό Σαν Λαζάρ να συζητάει μεγαλόφωνος με ένα φίλο του που τον συμβούλευε να μικρύνει το άνοιγμα του πετουτού παλτού του, ράβοντας λίγο ψηλότερα το πάνω-πάνω κουμπί. Après avoir fait le poireau sur un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille en verre vers le champ Perret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en grain et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ces cornichons s'aimaient en guirlandais, un navet qui piétinait ses plaques blanches et qui écrasait les oignons. Mais des dates, fuyant une récolte de châtains des marrons, il alla s'éplanter en terrain vierge. Plus tard, je le revis devant le cerf de banlieusard. Il envisageait une bouture de pois chiches à nom de sa corolle. Petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mise en quarantaine, mais montée finalement dans une ambulance pleine de crabataires. Là, je diagnostique en gastralgie qu'attend des gigantismes opiniâtres avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Sécrétant pique soudain une crise hystérique parce qu'un cacochine lui dilonge son tilochus gonfeux. Puis, ayant déchargé sa bille, il s'isole pour soigner ses convulsions. Plus tard, je le revois à gare devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. Comment dire, comment l'impression que produit le contact de 10 corps pressés sur la plateforme arrière d'un autobus S, un jour vers midi, du côté de la rue de Lisbonne. Comment exprimer l'impression que vous fait la vue d'un personnage au cou difformément long, au chapeau dont le ruban est remplacé, on ne sait pas pourquoi, par un bout de ficelle. Comment rendre l'impression que donne une querelle entre un voyageur placidement, injustement accusé de marcher volontairement sur les pieds de quelqu'un
et ce grotesque quelqu'un, en l'occurrence le personnage ci-dessus décrit. Comment traduire l'impression que provoque la fuite de ce dernier, déguisant sa lâcheté du vœu prétexte de profiter d'une place assise? Enfin, comment formuler l'impression que cause la réapparition de ce sire devant la gare Saint-Lazare, 2 heures plus tard, en compagnie d'un ami élégant qui lui suggérait des améliorations vestimentaires? Comment ? Dans un omnibus, un jour, vers midi, il m'arriva d'assister à la petite tragicomédie suivante. Ego de l'Ureau, affligé d'un long cou et chose étrange, d'un petit cordage autour du melon, mode qui fait floresse, mais que je réprouve, prétextant soudain de la presse qui était grande, interpella son voisin avec une arrogance qui dissimulait mal un caractère probablement veule. Elle l'accusa de piétiner avec une méthode systématique ses escarpins vernis chaque fois qu'il montait ou descendait des dames ou des messieurs se rendant à la porte de Champéret. Mais le gommeux n'attendit point une réponse qui l'eût sans doute amené sur le terrain et grimpa vivement sur l'impérial où l'attendait une place libre, car un des occupants de notre véhicule venait de poser son pied sur les molles asphaltes du trottoir de la place Pereire. 2 heures plus tard, comme je me trouvais alors moi-même sur cet impérial, j'aperçus le blanc bec dont je viens de vous entretenir, qui semblait goûter fort la conversation d'un jeune gadin qui lui donnait des conseils copurchiques sur la façon de porter le pet en l'air dans la haute. Les contacts entre habitants d'une grande ville sont tellement nombreux qu'on ne saurait s'étonner s'il se produit quelquefois entre eux des frictions d'un caractère en général sans gravité. Il m'est arrivé récemment d'assister à l'une de ces rencontres, dépourvues d'aménités, qui ont lieu en général dans les véhicules destinés au transport en commun de la région parisienne aux heures d'affluence. Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à ce que j'en ai été le spectateur, car je me déplace fréquemment de la sorte. Ce jour-là, l'incident fut d'ordre infime, mais mon attention fut surtout attirée par l'aspect physique et la coiffure de l'un des protagonistes de ce drame minuscule. C'était un homme, encore jeune, mais dont le cou était d'une longueur probablement supérieure à la moyenne, et dont le ruban du chapeau était remplacé par du galon tressé. Chose curieuse, je le revis 2 heures plus tard, en train d'écouter les ordres d'ordre vestimentaire que lui donnait un camarade en compagnie duquel il se promenait de long en large, avec négligence, dirais-je. Il n'y avait que peu de chance cette fois-ci pour qu'une troisième rencontre se produisît, et le fait est que depuis, ce jour, jamais je ne revis ce jeune homme, conformément aux raisonnables lois de la vraisemblance. Le style est un bipède au cou très long qui hante les autobus de la ligne S vers midi. Il affectionne particulièrement la plateforme arrière où il se tient, morveux, le chef couvert d'une crête entourée d'une excroissance de l'épaisseur d'un doigt, assez semblable à de la corde. D'humeur chagrine, il s'attaque volontiers à plus faible que lui, mais, s'il se heurte à une riposte un peu vive, il s'enfuit à l'intérieur du véhicule où il essaie de se faire oublier. On le voit aussi, mais beaucoup plus rarement, aux alentours de la gare Saint-Lazare au moment de la mue. Il garde sa peau ancienne pour se protéger contre le froid de l'hiver, mais, souvent déchirée pour permettre le passage du corps, cette sorte de par-dessus doit se fermer assez haut grâce à des moyens artificiels. Le style, incapable de les découvrir lui-même, va chercher alors l'aide d'un autre bipède, d'une espèce voisine qui lui fait faire des exercices. La stylographie est un chapitre de la zoologie théorique et déductive que l'on peut cultiver en toute saison. Paysan, j'avais pas de petit bout de papier avec un numéro dessus, mais je suis tout de même monté dans ce carriole.
Une fois que je m'y trouve en sur cette plateforme de cette carriole, qu'ils appellent comme ça eux autres en autobus, je me sentant tout serré, tout guerrier, tout racornissou. Enfin, après que je lui ai empaillé, je te jette un coup d'œil tout alentour de notre personne, et qu'est-ce que je voyons, dis pas? Un grand flandrin avec un de ses coups et un de ses coups de la tête, pas ordinaire. Le coup était trop long. Chapiot l'avait de la tresse autour d'âme, oui. Et puis tout à coup, le voilà type qui se met en colère. Il a dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait. Mais puis après ça, est allé s'asseoir, grand flandrin. Ben, c'est des choses qui arrivent comme ça que dans une grande ville. Vous vous figurez, vous type que l'avant de nouveau revu ce grand flandrin, pas plus tard que 2 heures après. Devant une grande bâtisse qui voulait bien être quelque chose comme le palais de l'évêque, de Pantruche, comme ils disent eux autres. Vous rappelez leur ville par son petit nom. Était là le grand flandrin qui se baladait de long en large avec un statue feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il lui disait l'autre feignant de son espèce? Tu devrais te faire mettre ce bouton-là un petit peu plus haut. Ça serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il lui disait au girlfriend d'un autre feignant de cette espèce. L'anapante est connu de vache terrelica. Inattendu. Les copains étaient assis autour d'une table du café lorsqu'Albert les rejoignit. Il y avait là René, Robert, Adolphe, Georges, Théodore. Alors ça va ? Demanda cordialement Robert. Ça va, dit Albert. Il appela le garçon. Pour moi, ce sera un piquant, dit-il. Adolphe se tourna vers lui. Alors Albert, quoi de neuf ? Pas grand-chose. Il fait beau, dit Robert. Un peu froid, dit Adolphe. Tiens, j'ai vu quelque chose de drôle aujourd'hui, dit Albert. Il fait chaud tout de même, dit Robert. Quoi ? Demanda René. Dans l'autobus, en allant déjeuner, répondit Albert. Quel autobus ? Laisse. Qu'est-ce que tu as vu ? Demanda Robert. J'en ai attendu 3 au moins avant de pouvoir monter. À cette heure-là, ça n'a rien d'étonnant, dit Adolphe. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Demanda René. On était serrés, dit Albert. Belle occasion pour le pince-fesse. Pah ! Dit Albert, il ne s'agit pas de ça. Raconte alors. À côté de moi, il y avait un drôle de type. « Comment ?» demanda René. « Grand, maigre, avec un drôle de cou. »« Comment ?» demanda René. « Comme si on lui avait tiré dessus. »« Une élongation, » dit Georges. « Et son chapeau, j'y pense, un drôle de chapeau. »« Comment ?» demanda René. « Pas de ruban, mais un galon tressé autour. »« Curieux, » dit Robert. « D'autre part, continua Albert, c'était un râleur, ce type. »« Pourquoi ça ?» demanda René. Il se mit à engueuler son voisin. Pourquoi ça ? Demanda René. Il prétendait qu'il lui marchait sur les pieds. Exprès ? Demanda Robert. Exprès, dit Albert. Et après ? Après, il est allé s'asseoir, tout simplement. C'est tout ? Demanda René. Non, le plus curieux, c'est que je l'ai revu 2 heures plus tard. Où ça ? Demanda René. Devant la gare Saint-Lazare. Ben, qu'est-ce qu'il fichait là ? Ben, « j'en sais pas, » dit Albert. Il se promenait de long en large avec un copain qui lui faisait remarquer que le bouton de son pardessus était placé un peu trop bas. « C'est en effet le conseil que je lui donnais, » dit Théodore.